Le plus important a été la rencontre avec les frères et les sœurs, car il y avait les moniales, les religieuses de vie apostolique, les fraternités laïques, et ces rencontres personnelles sont uniques. La rencontre avec chacun, avec des groupes qui te parlent des défis de chaque lieu, des joies, des espérances, des angoisses aussi, c'est une grâce de Dieu que de pouvoir aller à la rencontre des frères. Et puis, il y a l'expérience de ma propre communauté. 13 années, depuis 1997, quand j'ai été appelé par frère Timothy pour être le procureur général, même plus puisque de 1989 à 1992, j'étais déjà l'économe du couvent alors que j'étudiais le droit canon. C'est, je pense, cette expérience qui me manquera le plus. Mais c'est encore tout récent. J'ai beaucoup travaillé avec les frères du Conseil général qui ont beaucoup changé au fil des ans. L'autre jour, j'ai compté combien de personnes sont passées depuis que je suis à Sainte-Sabine. Depuis 1997, il y en a eu à peu près 25-30 et qui ont fini leur temps. Mais ensuite viennent les autres. C'est une communauté qui a beaucoup changé, mais où l'ambiance est restée très fraternelle, ouverte. C'est une communauté qui change beaucoup, mais qui a toujours un style très fraternel et très ouvert. Ahora yo sigo siendo asignado a Santa Sabina porque ya estaba asignado, pero el maestro en cuanto maintenant je suis encore assigné à Sainte-Sabine, mais après le maître m'attribuera une province et j'irai parler avec mon provincial qui me dira où je serai le plus utile pour ma province et où je serai plus utile en Jésus-Christ. Ceci étant, mon provincial m'a gentiment donné quelques mois de repos. En Argentine, il n'y a pas d'année sabbatique, mais en plus des vacances de janvier-février, je serai libre à partir du mois de novembre et je rentrerai alors dans mon pays. J'ai besoin de beaucoup lire, de marcher, de rendre grâce à Dieu, de chanter un Magnificat de gratitude, mais aussi de dire un Fiat mihi, un me voici. Ce ne sera sans doute pas facile, mais je suis content.